La communauté commune d'Air-sur-Adour a créé une zone d'activité économique qui est reliée directement sur le péage de l'autoroute A65. La communauté commune, par ailleurs, met à disposition des emprises foncières conséquentes à des prix attractifs. Nous offrons également la possibilité de construire pour le compte de l'entreprise, selon la procédure d'une vente à l'état futur d'achèvement. Et par ailleurs, cette zone de Bastia offre la possibilité d'être reliée au très haut débit. Bon, on s'est rendu compte, en fait, dans le vivier et au CAI, il y a à peu près toutes les compétences. Donc l'électronique, elle est fabriquée à 50 km d'ici. L'emballage, c'est à 10 km d'ici. Et tout ce qui est impression en plastique, on les imprime nous-mêmes. On fait de l'impression 3D sur ces volumes-là. En venant dans la ZAC de Peyre, on était à 800 mètres de la sortie d'autoroute, ce qui nous permettait de rayonner sur Bordeaux en particulier facilement. Ce qui nous a permis de passer de 1 100 000 à 2 200 000 en 2 ans. On a doublé notre chiffre d'affaires et on a créé 5 ou 6 emplois de plus en parallèle. Air-sur-l'Adour présente l'avantage d'être au barycentre de ce qu'on appelle Aerospace Valley, hein, les deux régions constituant le pôle de compétitivité mondiale. Ça nous permet de rayonner tout à fait efficacement au sein de ce réseau. Et puis, bon, ben, je pense que le territoire est un territoire accueillant, avec la proximité de la mer, de la montagne. Et si j'en crois d'ailleurs le turnover, les salariés, les collaborateurs sont sans doute assez bien à Air-sur-l'Adour. Nous essayons de travailler avec des producteurs locaux de manière à avoir un circuit court et que les gens retrouvent des produits de qualité et qu'ils soient satisfaits. On pense pouvoir être une locomotive pour le commerce local. J'espère que les commerces qui viendront seront également, eux, satisfaits d'être venus avec nous, nous rejoindre dans cette expérience. Quand on s'implante sur un territoire, le but d'un entrepreneur, c'est d'essayer d'enrichir le territoire. Voilà, donc de créer des emplois. Et pour ce faire, il faut que le lieu soit appétissant, si je puis permettre ce propos. C'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui, on a à peu près réussi.